Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Red Dead Redemption 2. Et du coup, on reprend là où on en était. Bref, je voulais le laisser chanter. Du coup, John ou Micah? Faudrait que je passe en ville. Donc on va faire la mission de John. Je vais vendre la peau de vache. Donc ouais, on va faire la mission de John. Du coup, comme d'habitude, bon, je pense, on est proche de la ville. En vrai, c'est quoi, on va faire le chemin ensemble. Parce qu'on est très proche. Mais je ne pense pas. Bah allez, vas-y. Je ne pense pas qu'il y aura des accros sur la route, des petits soucis. Et j'ai loupé complètement la route, c'est pas grave. Ouais, on va aller par là. Hop. On va aller vendre la peau de vache et on va voir ce que John veut. Je vais donner à manger à mon cheval aussi, tant qu'à faire. Voilà. Okay then. J'attends qu'il lève sa tête. Lève ta tête! C'était un 3 étoiles, je ne pouvais pas refuser. Just wait a second, girl. Il est beau. Hop. Est-ce qu'il faut que je rachète des bastos? Là on est bien. Là on est bien. Là on est. Ça va. 17 balles de sniper, ça va. C'est pas l'arme principale, tu vois. J'ai 115 de prime à Valentine. Ah mais j'ai pas les sous pour la payer la prime. On creep. Ah oui, c'est à cause du braquage, non? Il me semble que j'avais payé ma prime pourtant. Est-ce qu'il y a un problème ici, messieurs? Ouais, je vais arracher la tête à lui. Bah lui aussi. Bon, évidemment. Ah, ça a rechargé tout seul, ok. Évidemment, lui, il est pas là. Vous, attends, il a dit quoi? Vous ne pouvez pas, je sais pas quoi. Attends. Ok. Bon, j'ai pas trop compris.
Bon, je pense que les peaux elles vont dégager quand je vais commencer la mission, tant pis. Hein. Il fait quoi lui? Ah, il gerbe. Oh, you should see yourself. Got yourself into a hell of a state. Just watch yourself, alright? Allez, c'est parti. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. We try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. Oh, il faut vraiment... That's his gift. Saying things. Pardon. Come and follow me. C'est juste que ça me fait un peu chier de le guider, tu vois. You were saying. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. We ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. I already don't like how this is going. Bah. Il a lâché tout seul. No need to get testy. Just tie the horse up and get over here. Pardon me. Gun store. Yep. Can you head in, pick up a sniper rifle? I'll explain later. Don't you wear yourself out now. Oh, well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. I'm gonna have to take this on credit. Well, no, wait, we ain't even discussed terms. Or I can take it in a way that ain't so polite. Okay, okay, fine, you can pay me later. Putain, il est moche, hein. Oh là là. Il est pas tuné, lui, hein. Ouais, ça devrait suffire. On va laisser comme ça en vrai. Style. Ouais, je t'avoue que j'ai un peu la flemme là. On va le laisser comme il est.
Je crois qu'il faut que j'achète des munitions, je suis pas sûr. Alors, fusil Rolling Block. Conçu pour chasser les gros animaux, le Rolling Block de Litchfield est un puissant fusil à lunettes conçu pour les combats à longue distance. Grâce à ses multiples vues télescopiques disponibles à différents niveaux de zoom, un fin tireur peut éliminer une cible à bonne distance et conserver l'élément de surprise. C'est un fusil à un coup adapté aux munitions pour fusil standard, haute vélocité, à tête fendue, express et explosive. Et il fait énormément de dégâts. You good? Sure. Let's go. You all right, girl? There a reason you got that gun out? Why couldn't you have done that? Done what? Bought that gun. I had a run in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl... What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. C'est tout. That the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Okay, I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. That ought to do it. All right, let's go round them up. On va faire les bergers, c'est sérieux? Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? No. You? Oh, day here or there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. Ah! Ah!
them all rounded up. Let's go. Move. Go on. Up, up. Watch out. Hey, ta mère, toi aussi. Go, go. C'est lui qui me fonce dedans, c'est moi qui dois faire attention. Wow. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. All right, whatever you say. I'm done arguing. Move it! Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. Parce que... Un pion sur U. Now you got it! Je suis concentré en fait là, j'ai pas envie d'en perdre en route. Those are up, boys. There you go. Fine sheep. They're okay. Well, you seen better around here? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you. For 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? What's that running? 18%. I thought we was doing the robbing here. Still getting money. Well, thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will ya? We ain't kids no more. No, we never really was. Oh. Hold on now. Come on, Sunshine. I'll buy you a whiskey. Not everything, but in the end,
I don't believe in absolutes, just shades of gray. Compromises. Compromises. Well, I have never been a man for compromise. Gentlemen. Dutch, Napo. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen? Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderlyn! Get out here! Get out of here now! What the hell? Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall! I am not a man to be messed with by the likes of you! Get out here before I have these men killed! What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash! You start spinning a yarn, when I think the moment's you right, I'll make a move. You think I got where I am by letting Skyrock you rob from me? Vanderlyn, you're done! Now get out here now! Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me. Nor do I want to be this Vanderlyn. Quoi? Pourquoi j'ai perdu? Hein? Y'a un truc que j'ai pas compris là. Who wants to be the Messiah? Not me. Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn. Whomever he may be. I am Archibald Smith, a lay preacher. Attends, il y avait des indications là, j'ai pas lu. Mais déjà, j'ai deux flingues, je sais pas pourquoi. Il sort pas ces deux flingues. Not me, nor do I want to be this Vanderlyn. Je comprends pas! Déplacer le réticule, je sais pas quoi là. Who wants to be the Messiah? Attends, je vais bien lire. C'est pas grave si on perd, je vais juste lire. Utiliser la souris pour déplacer le réticule. Bah ouais, j'utilise la souris pour déplacer le réticule, je veux bien, mais ça change rien en fait. Qu'est-ce que c'est que cette horreur là? Sous-poids. Ah, je suis en sous-poids. Ah ouais, sérieux. Putain, faut que je bouffe, ok. Je savais pas. Mais par contre, il y a un truc qui a changé. C'est mon sang-froid. Avant, tu sais, le sang-froid, je pouvais viser plusieurs personnes. Ça mettait des petites croix rouges au niveau des balles qui allaient être tirées. Et je pouvais en faire plusieurs en un seul coup de sang-froid. Là, je peux pas en fait, genre c'est un par un. Genre sans froid, je vise, je tire. Ensuite ça enlève le sang froid, sans froid, je vise, je tire, etc. Et je comprends pas comment remettre le sang froid d'avant, tu vois. Je comprends pas comment remettre le sang froid. Oh putain, comment c'est lent, oh mon dieu.
Sans froid. Appuyez sur A pour les marquer. Ah bon, depuis quand? Depuis quand? On m'a jamais dit ça, hein? C'est quoi cette connerie? Appuyez sur A pour les marquer, mais c'est quoi ça? On m'a jamais expliqué ça, hein? Et j'ai qu'une arme en plus. Et c'est mon... Vas-y, hey, ils m'ont donné des armes de merde, j'en peux plus là. Faut qu'ils arrêtent les conneries. Hein. Facile en fait, hein. J'ai pas besoin de couverture, hein. Bon là il est mort quoi. Tue la mort ce pistolet là, sérieux, c'est quoi ce qu'il me donne? T'inquiète pas, je suis en sous-nutrition, je vais faire que bouffer. Hein. Regardez toutes les croix sur la map, c'est incroyable, j'ai tué tellement de gens. Get him on the horse and let's go. You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Bon, on va devoir se casser de Valentine. Let's go. Get out of here! Get ready to die, you son of a-
Ah, ça explose pas ça. Bon allez, faut qu'on se casse de toute façon. Bon, je peux avoir mes vraies armes là? Non, pourquoi je peux pas? Je comprends pas. C'est nul. Je peux pas avoir mes armes. Ça me pétait les couilles, ça. Ah bon? Mais attends, y a un truc que je comprends pas là. Voilà, je l'aurais échappé là. Allez, faut courir maintenant là. Oh, quel enfer. Je lui mets tout là. Même un réanimateur. Le truc, ça sert à rien, tu sais. Je vais donner du réanimateur à mon cheval. Ça sert à rien en fait. Ça peut pas courir. Mon cheval, il est mort là, je peux pas courir en fait. Ok, mais what the fuck. Genre, il avait faim, tu sais, je l'ai nourri il y a 2 secondes. Avant la mission, je l'ai nourri. C'est quoi ce délire? C'était juste ça en fait. Il se fout de ma gueule. Voilà. Putain, mon cheval il est... Ah ouais. J'ai perdu mes peaux en plus. Il est dégueulasse mon cheval. Voilà, c'est mieux. Ah mais c'est même pas mon cheval. What the... C'est pas mon cheval. Non mais c'est une blague. J'en peux plus. Bruh. Va falloir que j'aille chercher mon cheval. Ok, c'est pour ça que c'est une merde ce cheval. C'est parce que c'est pas le mien. Ok. Bon, du coup, je pense que ça peut être drôle si je retourne dans la ville. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause. Et je vous reprends quand je suis vers mon cheval. On va voir ce qui se passe. Bon, bah, c'est bon, j'ai récupéré mon cheval. En fait, je l'ai sifflé à l'autre bout de la ville et. Et c'était bon, il n'y a pas eu de problème. Donc voilà, par contre, il y a la police juste ici. Voilà. Je pense qu'il va falloir qu'on aille voir Dutch. Mais... Hop, voilà. Je me mets le repère, je vais y aller tout seul. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour, bah, pour la fuite des alentours de Valentine. Je sais pas où est-ce qu'on va aller. Bref, on verra ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci.
Salut.